Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le 8ème épisode de mon Let's Play sur le jeu Mountain Blade Warband. Allez, on y retourne. Qu'est-ce que je faisais déjà? Attendez. Je crois qu'on allait chercher une quête. Attendez, on va quitter. J'ai quoi comme note? Dépister les bandits. Et... ah oui, 5 chevaliers soyez. Ah oui, oui, oui. Donc je venais arriver à Jelkala. J'étais parti... oula, pardon. J'étais parti de Praven. Je devais amener une... ah, une caravane de marchands. C'est fait. Et il faut qu'on gagne des sous, donc pour ça... autant faire des quêtes. Ça marche très bien. Allez, on va voir le maître de guilde. Où est-ce qu'il peut bien être? Alors là, je connais pas trop, parce que chez Hérodoc, j'y vais pas souvent. C'est pas toi? Si, c'est toi. Ah, ah, reviens là, le canasson. Avez-vous un travail pour moi, par hasard? Vous cherchez une mission? Je cherche quelqu'un pour livrer plusieurs mois. Ok, j'ai un chargement de vin qui doit être livré à travers un escale. Bon, du coup, c'est cool. Bon, bah, allons-y, alors. Allons-y, parce que du coup, je peux remonter à Ayuskal. Tranquillou. Allons-y. Alors, mon personnage, ça va. Le groupe, ça va. On a pas mal de sous. Ouais, c'est pas mal. On est combien? 37. On peut encore augmenter, quand même. On peut encore augmenter. Mais pour l'instant, ça va bien. Ayuskal, Ayuskal, ouais, non, ça va, c'est pas trop loin. J'aime bien regarder la carte comme ça. Bon, ça fait un peu bizarre au niveau des dimensions. Parce qu'on peut voir la ville qui est tout là-bas. On peut voir Dirim. Alors que c'est quand même pas la porte à côté, j'ai envie de dire. Alors, on est où? On est là. Ah, il faut aussi que je trouve les... des bandits qui traînent par là. Je sais pas où ils sont, c'est affreux. Bien ça, hein. Dépister les bandits autour de Ayuskal. Ouais, ouais, bah je sais. Le groupe n'a rien à manger. Oups. Il faut qu'on aille acheter à manger. On n'a rien à manger. Oh, c'est tout pourri. Faut vite qu'on aille chercher à manger. Oh, c'est affreux. Ouais, c'est ça le problème des grosses compagnies, c'est qu'après elles bouffent énormément, quoi. Quand on a 150 hommes, bah, faut nourrir, quoi. Toujours ça, de toute façon. On va visiter la taverne. Où est-ce que je dois... allez. Bon, attendez, on va acheter des... on va acheter de la bouffe. On va lui vendre ce porc pourri, hein. Le pain, je crois que ça devrait aller. Ok. Et du fromage. Voilà. Oh, j'ai perdu pas mal de sous, c'est pas grave. Alors, comment je livre? À la taverne de Ayuskal. Ok. Visiter à la taverne, je suppose que c'est au tavernier qu'il faut parler. Visite in 20. Oh, 100 deniers. 400 points d'expérience, c'est pas mal. Le roi Arlos. Bon, bon, on va peut-être aller voir le roi Arlos. Ah, mais non, le roi Arlos, ça j'ai une quête. Qu'est-ce que je voulais faire? Qu'est-ce que je voulais faire? Qu'est-ce que je voulais faire? Je sais plus. Alors là, je sais plus. Ah oui, si je voulais aller à Dirim, en parlant de Dirim, chercher une quête, hein. Alors, je crois que j'ai quelqu'un qui a monté de niveau. Oui, c'est toi, Deshavi. Alors, t'as monté de niveau. Qu'est-ce qu'on peut augmenter? Ton agilité. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Premier secours. Allez, ça augmente de 5% leur point de santé perdu pendant une mission. Non, le point de santé régénéré par rapport au point de santé perdu. Ouais, sinon, c'est pas... c'est pas un bonus, c'est un debuff. Alors, tes armes à deux mains. Hop, ça c'est bon. Alors... bandit des forêts, tiens, c'est pas vous? On va vous choper, ce sont les plus rapides. Alors, est-ce que c'est vous? Ça serait cool que ça soit vous. Il y a aussi des bandits là-bas. De toute façon, au pire, ça nous entraîne. 37 pour 27. Mais... oh, vous êtes sérieux, là? Allez. C'est quoi, ce bordel? J'aimerais bien pouvoir monter.
Ah! C'est quoi ce début de partie tout pourri là? Et je monterai plus vite à pied là. Ah. Ah là, ça devrait aller mieux. Boum! Bon, raté. Boum. Ah. J'arrive pas à taper dans la mêlée du coup. Tiens, t'en vas pas trop vite toi. Ah, j'ai raté. Raté. Mais c'est pas possible, j'aurais rien fait dans cette bataille. Ça continue. Voilà, quand même. Quand même. Raté. Alors, un mort. Oh. Un mort. Pas génial. Bon, c'est mieux que rien, mais... 179 deniers, c'est pas mal. Est-ce que c'était eux? Je crois pas, hein. Fantassin, tirailleur. Homme d'armes. Ouais, bah, c'est sûr, il faut des hommes d'armes pour des chevaliers. Recrue, milice. Tirailleur en arbalétrier. Voilà, nickel. Des bandits des forêts. Il me fuit? Ouais, il me fuit. Ah, c'est cool, vous allez vers Dirim. Allez-y. J'arrive. Alors, excusez-moi. Ok, excusez-moi, j'ai eu un petit cafouillage. Il y a l'orage chez moi, et puis... Je crains un petit peu pour l'ordinateur. Je pense qu'après ça, j'arrêterai assez rapidement. Pas envie de tout claquer. Alors, 19 contre 36, ça devrait aller largement. Ouais, j'ai un cheval plus rapide que toi, nananer. Oh, 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 j'ai touché quelqu'un, ouais. Attendez, je leur fonçais dessus, mais il n'y en a pas un seul qui a été foutu de me toucher. Quand même fort, hein. Boum. Boum. Ah, t'as bougé, toi. Boum. Je suis trop loin. Raté. Je vais marcher dessus, ça lui a rien fait. Touché. Je vais même tuer carrément. On va prendre l'arbalète, ça va aller mieux. Raté. Tiens, aïe, ouille. Boum, dans la tête. Ah non, pas dans la tête. Oh, pff, comment j'ai pu le rater à cette distance? Ouais non, ils vont pas faire mon feu là, avec tous mes hommes d'armes. Gagné. Bon, c'était facile. Aucune perte, 19 tués. Tranquille. 25 plus 8, ah, ça c'est bien ça. 13, ouais non, après le reste c'est tout pourri. Ah, c'est pas mal là, on s'est bien débrouillé. Allez, direction Dirim. En fait, il est énorme le royaume de Swadia. Des soldats sont prêts à être promus. Homme d'armes. Archer nordique, temps d'archer vétéran. Voilà. On va peut-être aller recruter des gens. Il y a l'air d'avoir une grosse armée qui est passée par loin. Voilà. Faudrait que j'achète de la nourriture aussi parce que ça commence à diminuer, j'ai l'impression. 46, 50, 50. Ouais, c'est, ça passe encore. Ça va, ça va. Déserteur. 6 déserteurs. J'aime pas les déserteurs. 3-9, 3-9. Ouais, je les rattraperai pas de toute façon. Je ne les rattraperai pas. Chasseur de primes. Ouais, chasseur de primes, ouais, c'est tranquille. À limite, je suis un peu ça. Je suis un peu chasseur de primes. Allez, Dirim. Oh, il y a un tournoi. Ouais, bah allons-y alors. Affichez les participants. Bah dis donc. On va parier. 13 contre 1. Allez, on va essayer. Ah merde, c'est des lanciers. Bah pourquoi ils ont pas de chevaux? C'est bizarre. Oula. Non mais laissez-moi tranquille. Ok. Alors là, faut que je me souvienne.
Il n'y en reste plus qu'un. Raté. Non, bon, on va se faire exploser là. Ouais, non, à 3 contre 4, ça va être chaud. Hein. Ça va être super chaud. Y a pas moyen que je ramasse des affaires. Attendez, je vais essayer. Bon, ça va pas marcher. Laissez-moi descendre, laissez-moi descendre. Voilà. Je suis défoncé. Éliminé, j'ai perdu 100. Bon. Je suis vraiment nul à cheval. Hein. Je suis vraiment nul, surtout avec ces armes-là. Bon, on va aller se promener dans les rues, hein, vous savez quoi. Alors. Où est le maître de guilde? Où est-ce qu'il peut bien être? Est-ce qu'il serait pas par là? C'est pas toi, hein? Je crois que si, chez toi. Maître de guilde. Nickel. Avez-vous un travail pour moi? Vous cherchez une mission, escorter une caravane. À Praven. Bon bah allons-y alors. Hop. Non, c'est pas ça. Elle est où la caravane? Ouais, bah allons-y. Hein. Praven. Oh, ça va. C'est pas très très loin non plus. Allons-y. Oh, t'as intérêt à me suivre. T'es à quelle vitesse? 5.0, j'ai 3.4. 3.0. Ouais, faut pas non plus que j'aille trop vite. Donc, ça va être... Si vous êtes lent aussi, ça va pas le faire. Allez. Hurry up. J'aime pas la nuit, il y a des bandits qui peuvent lui tomber dessus parce que j'ai vraiment un champ de vision tout pourri la nuit. Mais j'ai plus d'unités que lui. Je pourrais le défoncer mais il est avec moi. À éviter. Et les bandits des forêts, bon on leur fait tellement peur. Aha, qu'est-ce qu'ils font? On va peut-être choper. Eh ben allons-y. 39 pour 5, on va les exploser. En plus c'est de la plaine. Ouais. Avantage de combat, 12. Oh oh oh. On va vraiment les défoncer là. On va vraiment les défoncer. Ya. Yeah. Il devrait être là. Yes. Bon d'accord. Ok, ça c'est fait. Alors là, je suppose que vous avez entendu le coup de tonnerre qui vient de taper. Alors, je crois qu'après cette bataille, je vais arrêter mon ordi. Vous inquiétez pas, ça fera juste une petite coupure dans l'épisode. Et je vous reprendrai dès que l'orage sera passé. Parce que là, j'ai vraiment peur pour mon PC. Et ça serait un peu bête. Ok, ok. On a gagné, c'est super. On va capturer ça. Après, fermier paysanne, je m'en fous. Ok, donc je vous reprends à tout de suite. Revoilà, ça y est, l'orage est passé à peu près, donc je pense que ça devrait aller. Donc, on était en route vers Praven. Encore des bandits des forêts. Faut qu'on s'entraîne, donc on va se les faire. Hein. En plus, ils vont dans la bonne direction. Par contre, toi, t'as intérêt à me suivre. Hein. Allez, hop. C'est parti. 39 contre 21. Ouais. Bon allez. Ça devrait aller. En plus c'est de la plaine. Allez, tranquille pépère. Bon je tire au pif hein. Comme d'hab. Allez. Bon. J'en ai touché, je l'ai pas tué. Faudrait que je me trouve des meilleures armes, je pense. Boum. Ah oui. Lâchez-moi. Ah. J'ai un peu de mal à m'extirper de tout ça. Boum. Niveau 10. C'est pas mal ça. Ouh. Ça c'était pas mal l'enchaînement là. Waouh. Raté.
Boum. Ah, je l'ai pas tué là. Alors, il reste celui. Vous le laissez? Ah non, il est déjà mort. Bon, bah gagné. C'est pas bien compliqué, aucune perte. Pas l'air d'avoir grand chose. 27, 10. Ah si, c'est bien ça. 16, j'ai quoi? 25, ouais bon. Ouais, c'est pas si horrible. C'est pas si horrible. Hop, attendez. Baisse un peu le micro. Alors, des soldats sont prêts à être promus. Arbalétrier. Chevalier. J'ai combien? Deux chevaliers. C'est pas des chevaliers soignants que je veux, moi. Ah bah si, on est en soignant. Ah, c'est à cause de mon autre partie où je suis pas en soignant. Alors... Il faut qu'on monte quoi? Est-ce que l'ingénierie, si je mets encore un point d'intelligence, je peux monter? Eh ben non! Donc on va réinitialiser. On va augmenter à force. On va augmenter à force. Persuasion, non. Organisation de l'inventaire. Parce qu'il va falloir qu'on achète beaucoup de bouffe. Quoique non, pas organisation d'inventaire. C'est compliqué de monter en fait. Parce que du coup on est rapidement capé. Bouclier, à la limite j'ai un bouclier, faudrait peut-être que je mette quelque chose. Ouais, ça peut être pas mal. Bouclier. Augmenter arme humain et l'arbalète. Direction Praven. Ah, par contre, faut que tu me suives. Il faut que tu me suives. Direction Praven. Il y a des pilleurs là. Si on pouvait se les faire aussi. On fait combien? 4-5 et nous on fait du 5.6. Allez, ça devrait le faire. J'aimerais bien que la caravane par contre elle se laisse pas trop distancier. Oh, les pilleurs ça devrait aller. C'est des bandits de base. Ça devrait bien aller. Ils sont pas beaucoup. Si je touche quelqu'un, c'est un miracle. Ouais, non, quand même, faut pas exagérer. Non, mais ça y défonce vraiment. Boum. Bon, en fait, faut les toucher. Et si on les touche, ça fait bobo. Boum. Boum. Peut-être faire ça. Avec ça, ça va être peut-être un peu plus efficace. Bon, bah voilà, on a gagné. Ah, c'était pas très compliqué, hein. Aucune perte, 17 tués. Boum. Ça, c'est fait. Allez, direction Praven. Alors, des soldats sont prêts à être promus. Chevalier, chevalier, on en a 3 déjà. Hommes d'armes, on a 7 hommes d'armes. Ouais. Dans pas longtemps on aura nos 5 chevaliers pour le roi. Mais par contre du coup on va se prendre pas mal d'unités en moins. C'est pour ça qu'il faut qu'on recrute des volontaires. On est 44 maintenant. Ouais, c'est pas rien. C'est pas rien, pas rien. Allez, on y arrive. Ils sont quand même blancs ces marchands. On y est. Ça y est. Hop, 173 deniers, renommé, pardon, augmenté de 2. Et 965 points d'expérience, c'est bien. Se rendre au château. Il y a le roi. Qu'est-ce que tu me dis? Je traque un groupe de bandits. Bon, d'accord. Ouais, ça fait 20 minutes. Ah, on va rester encore un petit peu. On va rester encore un petit peu. J'ai d'autres petits trucs à faire. Augmenter le niveau de l'autre héros. Donc on va augmenter le charisme. Parce qu'elle est un peu à la ramasse au niveau charisme. Alors on va augmenter. La santé. La santé, c'est toujours intéressant.
Augmenter quoi? Elle a un arc? Augmenter l'arc aussi. Ok. Ça c'est bon. Ah tiens, faut qu'on passe à la taverne, voir s'il n'y a pas un rançonneur. Voyageur, épiste, mercenaire. Non, pas de rançonneur. Dommage. Est-ce qu'on n'aurait pas une autre petite quête? Oh non, j'ai pas envie d'aller à pied. Il est où déjà? Il est tout au fond, c'est ça? Oh, j'ai la flemme. Ok. Oh, bah ça sera... Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ok, on arrête là, ça sera pour le prochain épisode. J'espère que ça vous aura plu. Ça a été un petit peu entrecoupé de cet épisode. Je m'en excuse. Il y a eu un orage, tout ça, c'est un peu embêtant, je sais. Moi, ça devrait aller mieux dans les prochains épisodes. J'essaierai de pas tourner quand il y a des orages. Ok, bah, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé, à me suivre sur Twitter, à mettre des commentaires dans la vidéo, à vous abonner à ma chaîne. Et puis à la prochaine, salut à tous!